Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous numéro 2. Alors dans ce rendez-vous, je vais vous présenter mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à suivre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de la qualité du son qui est assez médiocre, mais je n'arrive pas à le mettre comme il le faut. Donc du coup, je vais être obligée de faire avec. Je suis désolée. Alors, ma première lecture du mois était en réalité une intégrale. Donc, Pierre Botero, La Quête des Wélan, l'intégrale, donc en 3 tomes. Donc j'avais déjà lu cette saga, donc je savais où j'allais. C'était une lecture plaisante, mais je sais que je l'ai lu il y a 2 ans. Et j'avais pas la même vision que maintenant, donc j'étais un peu déçue, pas déçue, mais j'ai pas été autant surprise que ma première lecture, alors que je pensais que ce serait un coup de cœur. En fait, c'était juste une bonne lecture. Donc je vais pas vous détailler les 3 tomes, peut-être que je me souviens plus trop, mais en fait l'histoire c'est une jeune fille qui découvre un monde parallèle avec son meilleur ami Salim. Donc elle s'appelle Camille. Donc elle vit avec des parents adoptifs qui ne l'aiment pas et qui lui montrent bien d'ailleurs. Donc elle arrive en Gwendalavir, où elle se rendra compte qu'en fait elle est un point important de l'histoire. Et donc en fait elle se rendra compte au fur et à mesure qu'elle possède des pouvoirs de dessin. Donc en fait il y a une histoire de sbire où elle peut monter dans le gratte et faire toutes sortes de dessins. Mais ces dessins sont éphémères. En fait ce n'est pas des dessins qui dureront toute une vie, mais plutôt quelques instants. Donc elle fera la rencontre de plusieurs personnages, dont Elana, qui a été un vrai coup de cœur pour moi. D'ailleurs, Pierre Botero a écrit une saga sur Elana, le peuple des marchands. C'est un personnage que j'ai franchement adoré, et j'ai adoré suivre par la suite. Et son caractère, il est assez... elle est sûre d'elle, mais elle est solitaire. Voilà. Elle est assez solitaire. Mais elle va se rendre compte au fil du temps qu'elle va s'attacher au personnage d'Elana, Salim et des autres. Donc voilà pour cette lecture. Ensuite, une relecture aussi de Harry Potter à l'école des sorciers avec une copine de Lisaline. On a créé un événement comme je vous en ai parlé il y a 3 semaines. Et donc c'était le tome 1 à lire pour le mois de mars. Donc Harry Potter, tout le monde connaît. Peut-être que tout le monde n'a pas lu, mais c'est évidemment une saga que je conseille parce que J.K. Rowling est vraiment une bonne écrivain. Donc Harry Potter est un jeune garçon de 11 ans qui est élevé par sa tante et son oncle Dursley et Petunia, qui ne l'aime pas parce que c'est un sorcier. Mais ça, il l'ignore jusqu'à l'arrivée du garde-chasse Hagrid qui vient le prendre pour l'amener à l'école de Poudlard. Là-bas, il y fera des rencontres, donc Hermione et Ron qui deviendront ses meilleurs amis, mais aussi Drago Malfoy qui deviendra son ennemi dans l'école. Dans ce tome 1, il n'y a pas vraiment d'aventure, donc il n'est pas très épais, et donc il se lit très très vite. Mais pour ceux qui n'ont jamais lu et jamais vu les films, la fin est surprenante. Donc c'est encore un livre que je conseille évidemment. Alors, la lecture qui a suivi, c'est Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, donc qui m'a été fortement conseillée par une amie. Et quand je voyais le pavé écrit assez petit, je me suis dit, oh voilà, ça va durer assez longtemps et ça va peut-être un peu me saouler. Et en fait, j'ai été agréablement surprise, même très agréablement surprise. Ce n'est pas un coup de cœur comme mon amie. Mais franchement, c'est une très bonne histoire. La tombe de Stephanie Meyer a changé. Elle est beaucoup plus adulte et différente de Twilight. Alors ici, on suit Mélanie et Vagabonde. Donc Vagabonde qui est une âme et Mélanie une humaine. Et en fait, Mélanie était capturée pour que les médecins qui s'occupent d'elle puisse lui implanter l'âme, donc vagabonde, qui est censée, on va dire, détruire la vraie âme de Mélanie, mais c'est le contraire qui va se passer,
Donc Mélanie, la force du temps, Mélanie et Vagabond vont devenir amis et être soudés. Donc il y a des passages que j'ai bien aimés, ça retournait dans le passé. On voyait un peu la vie de Mélanie. Et on voyait ses rencontres, dont une avec Jared, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui se rapproche d'elle, mais qui croyait au début que c'était une âme. Donc une fois que Mélanie a été enlevée, elles vont s'échapper toutes les deux pour essayer de retrouver Jared et le petit frère Jimmy de, je crois que c'est Jimmy, de Mélanie. Oui, c'est Jimmy, c'est ça. Et donc elles vont arriver dans une grotte, elles vont être dans le désert, et en fait c'est l'oncle de Mélanie qui va les récupérer. Et à partir de là, elles ne vont pas être très appréciées, étant donné que Vagabond est devenu l'âme de Mélanie. Donc ils vont croire qu'elle est là pour les espionner pour le compte des autres âmes. Donc en fait, il n'y a pas tellement d'action, mais le suspense est assez présent, et franchement j'ai bien aimé pour la science-fiction. Bon, je ne suis pas fan de science-fiction, mais là franchement, c'est un livre que je conseille fortement, malgré l'épaisseur, mais ça se lit extrêmement vite. Ensuite, au lieu du salon du livre qui s'approchait, j'ai décidé de lire Les cendres de l'oubli de Karina Rosenfeld, parce que je voulais lui faire dédicacer. Mais arrivé sur le livre, j'ai oublié la dédicace, mais finalement je n'en ai pas vu. Donc ça a été une bonne lecture, mais pour moi ça manquait un peu d'action. Parce que quand c'est des anges qui descendent sur Terre, je m'attends à voir de l'action. Bon, peut-être pas du sang, mais au moins des bagarres et un peu d'action. Sinon, le fond d'histoire est très intéressant. Donc, c'est une jeune fille, Anya, qui a déménagé. Donc, on va avec ses parents. Qui arrive dans un nouveau lycée et qui va rencontrer deux jeunes garçons. Donc, vous avoue, je ne me souviens plus des noms parce que ça fait un moment que je l'ai lu, donc... Là. Donc il y en a un qui est assez mystérieux et sombre et l'autre qui est toujours joyeux et gentil. Donc on s'attache plus facilement à celui qui est plus gentil, donc pour la plupart des gens, mais moi j'avoue que je me suis plus attachée à l'autre, à Eldan, qui est quand même... Moi j'aime bien les gens mystérieux, donc du coup j'ai envie d'en savoir plus sur lui. Donc l'histoire en elle-même, je trouve qu'elle est très bien recherchée et que c'est intéressant à suivre, surtout l'histoire des armes qu'elle a sur la main, qui évolue au fil des jours. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Ah, c'est un truc qui m'a vraiment plu à chaque fin de chapitre, c'est les conversations Facebook. Donc voilà un extrait, qui sont très courtes, mais qui donne pas mal d'indices, je trouve, pour la plupart des discussions. Bien que les amis, les anciens amis d'Anna, ils croient pas grand chose parce qu'ils n'habitent pas sur place, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et aussi, des fois, les rêves aussi. Ah oui, un autre bon point, les rêves que Anna fait en début de chapitre, la plupart. J'ai trouvé bien parce que ce n'était pas répétitif, pourtant c'était exactement le même rêve, mais décrit d'une autre façon. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de suivre ce rêve-là. Parce que l'auteur dissémine des indices un peu à chaque fois, des différents indices, et on se demande comment elle réussit à pouvoir faire le même rêve, mais d'une autre manière à chaque fois. Donc ce qui m'a aussi... tenter de lire le livre, c'est la couverture que je trouve vraiment magnifique. Mais la couverture du tome 2 est encore plus sublime, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce second. Un autre bon point que j'ai vraiment apprécié dans le livre, c'est la relation qui se crée entre Eden et Anya. C'est un peu du « je t'aime moi non plus », donc je trouve que l'auteur a réussi avec brio cette relation parce qu'elle instaure à la fois de l'humour et à la fois de l'agacement entre les deux. Et c'est très intéressant à suivre. Donc après ce livre, je me suis mise à la lecture de Morte, édité aux éditions Valentina, de Emmanuel Leblanc. Donc j'avoue que la couverture ne me tentait pas vraiment, mais lorsque j'ai vu la couverture du second tome, là je suis tombée amoureuse complètement de couverture qui était vraiment magnifique, qui a
qui a quelques ressemblances avec Confusion de Kepler, mais ça m'a plu. Donc j'ai commencé ce livre en allant au salon du livre, et l'histoire est intéressante. Donc on suit Lise, une adolescente qui est perturbée par la séparation de ses parents. Et il faut dire qu'elle est insupportable. J'ai vraiment, vraiment eu du mal à m'attacher à un personnage de Lise, parce qu'elle est vraiment méchante avec ses parents. D'abord avec sa mère, parce que son père, elle le voit pas plus que ça. Elle n'hésite pas à l'envoyer balader, presque à l'insulter, et j'avoue que parfois, moi, ça m'a assez agacée, parce que j'avais pitié de sa mère, qui essayait juste d'être gentille et proche de sa fille. Donc, dans son lycée, elle rencontre deux jeunes filles, donc Alice et... Alice et je ne sais plus le prénom. Alice et Eva, voilà. Qui vont devenir deux de ses meilleures amies. Et un nouveau va faire son apparition. Donc c'est David, qui est assez mystérieux. Et comme je disais, j'adore les gens mystérieux, je me suis tout de suite attachée à ce personnage, même s'il est assez froid de premier abord. Mais il cache quelque chose et on a envie d'en savoir un peu plus. Ce que j'ai apprécié de l'auteur, c'est qu'elle met du temps à avouer la vérité vers le chapitre 8, mais comme les chapitres sont assez longs, du coup on a le temps de lire le chapitre 8. Donc on lit au moins un peu plus de 170 pages avant d'avoir la vérité sur David, de savoir ce qu'il est réellement. Et j'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit encore des vampires, et en fait non, pas du tout des vampires. Donc du coup, c'était une très bonne surprise pour moi, même si à l'annonce du résumé, j'avais quelques doutes sur ce qu'il était réellement. Et donc du coup, c'était une bonne lecture. L'histoire de David est vraiment très très intéressante. Moi j'ai été prise dedans du début à la fin. Et donc pour un premier tome, j'étais assez contente, même si j'étais déçue sur quelques points que je ne développerai pas ici, qui sont un peu développés dans ma chronique écrite. Donc voilà pour Morte, Emmanuel Blanc, d'édition Valentina. Donc voilà pour mes lectures faites pendant les 3 semaines. Donc j'ai assez lu, je trouve. Alors maintenant ma lecture en cours, il s'agit de Voodooland, un thriller de Nick Stone. Alors franchement, je suis arrivée à la page 166, donc j'ai lu pas grand chose. C'est écrit tout petit. Et franchement, je n'accroche pas du tout. Moi quand j'entends thriller j'entends action, enquête policière, des gens menés en bateau, et là les personnages sont pleins, pas attachants, et j'arrive pas vraiment à rentrer dans l'histoire. Les chapitres sont très courts, donc ça se lit assez rapidement, découpé en plusieurs parties, comme c'est indiqué là. Mais honnêtement, j'hésite à vraiment arrêter. Mais comme je n'aime pas arrêter un livre en plein milieu ou au début, je vais tenter de continuer. Donc ce sera ma lecture prochaine. Et donc dans mes lectures prochaines, je compte lire Addict de la collection R, que je n'ai pas avec moi. Mais après, je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Donc ce sera un peu fini, je pense. Donc voilà pour ce rendez-vous du lundi que lisez-vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo et un nouvel écrit. Voilà, bonne journée.